J'ai reçu d'autres messages ou pas? Non. Radio. Hop, je vais voir si c'est celle-là. Bobby Scripotin. Hey, salut Scripotin, hey, bonsoir Tripotin. Bonsoir. On arrive. D'accord. J'ai la musique de Zelda. T'as compris le jeu de mots? Kizou 58 ans, il cherchait après son paquet de clopes 60 clopes. Son paquet de 60 clopes. Non, j'ai pas compris. Il y a un jeu de mots. Tu veux pas m'aider si ça arrête de fumer? Achète des patchs. Je te jure, ça marche. Je sais que ça paraît chelou de dire ça, mais ça marche. Et des chewing-gums à la nicotine. Et beaucoup de volonté. Et tu jettes toutes tes clopes. Vraiment, moi j'ai jeté. Hein. J'ai tout foutu en l'air. J'ai foutu un paquet plein à la poubelle. Hein. Tout jeté. Mon CBD, j'ai tout foutu à la poubelle. Hein. Tout. Hein. Ça m'a fait un peu mal parce que ça coûte cher. Mais je me suis dit, c'est simple. Hein. Vaut mieux que tu jettes et que tu perdes un peu d'argent, que tu continues à fumer et que tu perdes ta vie. Le choix est quand même assez facile à faire, hein, j'ai envie de te dire. Après, il m'a fallu du temps avant de le faire, ce choix. On va pas se mentir. Hein. Mais enfin, arrêtez de lui parler de clope, elle va faire une fixation après. Ouais, j'avoue. Ah, bonsoir. Parlez sans rendre. Oh là là, vous puez l'enthousiasme. Bah oui. Bah dis donc, vous êtes heureux là. Oui, à ma tête. Bah dis donc, j'aimerais bien savoir ce qui se donne quand vous êtes triste, hein. Bah c'est plutôt simple. Ah bonbon, patate, ouloulou. Oui. Allô. Attends, viens. Aïe. Putain. Aïe. Aïe, ma jambe. Cours. À moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais tu vas pas mourir, tu es frôlé, Tripotin. Je crie en meurtre. Regardez, je l'ai vu, c'est le cadet, c'est le cadet, je l'ai vu. Je sais pas, j'ai pas tout vu. Cadet, qu'est-ce que t'as fait? Accroche-pied. Ah, il balance ses collègues. T'as vu, c'est une snitch. Il est viré. C'est une snitch. Tu t'es pas fait au snitch. Tu remplaces bien papy, toi. Oui. Non, t'as vu, il me dit qu'il est heureux là. Oui, je suis heureux. On dirait qu'il était dépressif. Ouais, moi je trouve qu'il était dépressif quand même. Ouais, mais s'il est heureux, ça se voit pas. Hein. Ah oui, il est dépressif là. Il a mis tout ce qu'il y a pour là. Ah, faut qu'on. Ouloulou, comment tu parles de tes supérieurs là? J'ai pas entendu ce qu'il a dit là. Faites pas chier, il a dit. Moi je dis qu'il manque de tonicité, il faudrait lui mettre un coup de taser pour le réveiller. Allez-y. Et tiens. Voilà. Ouais, chef, fais pas chier. Parle de moi, tu es supérieur. Hein. Bien fait. Ouais. Moi, si ça aurait été moi, ça aurait été moi. Oui, non, voilà. On quand tu seras sergent. Voilà. Ouais, bah, c'est pas demain la veille. Quand tu seras sergent, on sera bien. Viens ici. On t'a demandé de partir. Non, je crois pas, non. Comment ça, tu nous merdes? Comment ça tu te... Viens ici. Viens. Et Tripotin attaque. Oui, moi je vais attaquer. J'attaque. Je t'attaque. Moi je t'attaque, moi. Je me prépare au cas où, hein. Moi je t'attaque. Je vais en mettre une par deux, je te préviens. Vas-y, mets-en une, essaye m'en mettre une, je t'attends. J'en sais pas, je te jure. Aïe. Agression sur un agent. Comment ça tu tapes ton supérieur là? Je suis cardiaque. Eh ben ça a rechargé ton passe-maqueux. Eh ben voilà. Je vais te défoncer. Je vais
t'es défoncé. Ouais, non, mais elle a tu défonces pas Crochet, c'est des tripes. Non, non, attendez, je crois plus rien. Toi, t'es mort, toi. Toi, t'es mort, toi. Toi, tu sais pas ce que t'as à faire. Toi, tu sais pas ce que t'as à faire. Tu sais pas. Moi, je suis une fofolle. Moi, je suis une fofolle. Moi, je te défonce. Moi, je te défonce, moi. Moi, je te défonce. Je te défonce, je te maudis. Toi, t'as ta famille et tes ancêtres. Et même ta future dégénérescence. Tu vas voir, toi. Tu vas voir, toi. Du coup, je te disais, comment ça tu tapes ton ton officiel, hein? Et si bon, elle a fini de secouer sa salade. Oui, ça y est, j'ai fini. Ouais, bah c'est tout. L'hôpital, on va y aller, moi aussi, faut que j'aille. Tu m'as foutu une sacrée crêpe pêche quand même, hein. Bah, allez-y en chambre. Moi, bah oui, avec je vais Michel. Prendre la voiture avec lui. Allez, monte dans ma voiture, tu vas voir. Je vais te former, moi. Viens ici. Viens ici. Forme-le, elle a mis le MacBucky. Je vais le former, exactement. Viens ici, comment il s'appelle? Par contre, c'est ma voiture, hein. Bah, c'est celle de tes papas, maintenant. Non, c'est la mienne. Allez, viens ici. Viens, une, deux. Mais vous avez fini tous les deux, là? Allez, hop, hop, hop. Pépé, vite que ça. Pas vite, toi. Non, moi, j'ai mal. Tu peux l'écraser si tu veux tripoter. Oui, je vais l'écraser, on va les... Bah... Range-moi cette merde. Oh putain. Ah oui. Bah oui, quoi, quand même, c'est mieux. Ils ont une voiture de carrière. Oui, bah oui, il faut que qu'ils veulent. Bon, allez, tout tire. On y va, on va aller au hôpital. Est-ce que tu conduis bien, Cadet comment tu t'appelles déjà, tu pipillais ton nom? Kao. Kao? Pas mieux que le capitaine. Non mais attends. Déjà tu vas parler plus fort, parce que moi je suis sourde. Et tu m'as dit c'est Tatao ou c'est Kakao? Non, c'est Kao. Kakao alors? Non, Kao, Saki. Saké? Kao Saki. Bon, je vais peut-être t'appeler Saké, hein, ça sera plus simple. C'est qui m'appelle? C'est qui, Marcel? Allô? C'est dangereux de faire ça au volant. Allô? Vous n'entendez pas? Oui, bah désolé. Allô? Vous n'êtes pas sur la radio, hein? Ah oui, faut que je me mette sur la radio, c'est vrai. Oui, je le fais tout de suite. Et Kakao, à côté de toi, il n'y est pas non plus, hein? D'accord, je vais lui dire. Allez, à tout de suite. Bon, c'est... Faut que tu sois sur la radio là, Cadet, c'est quoi ton travail là? C'est très bizarre. C'est comment très ça, t'es pas sur la radio là? Hein? Si, non mais oh, c'est quoi ce travail là? Moi je te faisais confiance là, moi je te faisais confiance, tu vois? T'as brisé la confiance que j'avais mis en toi. Bonsoir! Et bonsoir, comment allez-vous? Bah écoute, Tété, ça pourrait aller mieux, sauf que j'ai un individu de marque asiatique qui m'a agressé au poste de police. Oui, cagoulé, armé, gampé, la totale. Attendez, de marque asiatique? Oui, made in asiatique. Il avait une étiquette made in China, ben, je sais pas si c'est China ou si c'est Taïwan ou si c'est Japan. On est sur radio, Tripotin et Kao. Oui, pardon, mais on est fait, parce que d'habitude, c'est sous le pied gauche que si c'est tu vois des voitures suspectes, Tripotin, fais-nous le savoir. Hein. Pas de problème. Oui, ben, écoutez, moi, j'ai un odorat très, très, très développé et j'ai senti le gingembre, la scie citronnelle et un petit peu tout ça dans sa sueur. Je suis très très forte, hein. Faut pas croire. Hein. Fais-nous savoir si y a des médecins à l'hôpital là, pour qu'on puisse aller pousser un coup de gueule aussi. Bon, avec, bah on va aller regarder. Il y a un gars là qui va s'occuper de moi, celui qu'on a interrogé hier. Il est gentil, lui, je veux pas lui faire pousser un coup de gueule. Oui, clairement. Je vais lui demander s'il a des collègues. Attends. Vous avez des collègues qui travaillent ce soir ou en service là ou pas encore? Alors, dès qu'il faut semblant de travailler, il y en a un. Et sinon, il y a moi. Le ouais, il n'y a pas grand monde encore. Local, là. Kaiser, un truc comme ça. Bon, ben... Ça parle, c'est pour toi. Non, ça me... Il est noté comme étant connecté à la tablette, mais... J'ai pas encore vu.
Bon. Allez hop hop hop, on y va. Une tête. Alors du coup vous avez mal où exactement? Moi il m'a tapé en pleine tronche. Mm-hmm. Regardez là, vous avez vu le bleu là? Vous avez vu le bleu sur mon œil droit là? Vous avez vu un petit peu là? Non, il n'y a pas de bleu, c'est de mon bleu. Alors toi, tu commences à te taire parce que sinon je te promets la prochaine fois. Le bleu, il arrive le lendemain. Deux, attendez. Alors, déjà, les deux qui sont au courant s'il y a une blessure, c'est le patient et le médecin. Oui, non. Exactement. Est-ce que vous pouvez lui expliquer ce qui t'est arrivé au cadet Dan récemment? Ce que je lui ai fait faire? Est-ce que vous voyez les boules qui rebondissent entre les jambes des hommes? Bah, imaginez les siennes. Si jamais le médecin qu'on aimerait voir, c'est ces boules à Dan. Vous imaginez le coude de madame ici présent. Vous faites le rapprochement et voilà, vous saurez ce qui s'est passé. Non, je ne peux pas savoir, voilà. Bah oui. Attends, tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Le médecin qu'on aimerait voir, ce serait Mélanie, la grande perche blonde sexy. D'accord, ok. Bah, dès que je te dis ici, là. Mélanie, elle n'est pas en service en coq-or. Non. D'accord. Vous avez mon numéro? Non. Jonathan, je vais vous donner mon numéro et vous allez même m'appeler dès qu'elle prend son service parce qu'on a besoin de l'avoir. Oui. Mais merci, c'est adorable. Alors, vous bougez pas. Et voilà. Tu dragues. Bon. Je vais te défoncer, Je te mets pour capitaine. C'est bon pour vous? Voilà. Pour moi, c'est bon. Ça. Pendant les horaires de travail, regardez. Mais poussez-moi pas, vous m'avez dit de pas bouger. Pas pardon. Mais j'attends votre numéro, mais vous ne m'envoyez rien. Alors bon, je commence un peu à paniquer, quoi. Voilà, elle menace. Bah, vous m'avez dit de pas bouger, c'est normal. Ben oui, mais bougez votre pouce quand même. Envoyez-moi votre numéro. Et je vais te défoncer. Attendez, faut que je trouve où est-ce que c'est. C'est bon. Et moi, vous avez? Non, vous êtes toujours rien reçu. Ah, si, ça y est, c'est bon. Bah voilà, ça sert à rien. Bah oui, mais bon, c'est vous aussi, là, vous dites rien. C'est vous qui m'avez dit de pas bouger. Oui, c'est pas faux. Bon, je fais quoi? Je m'assois, je me mets debout, je me mets allongée, je me mets toute nue, je me mets pas toute nue. Tu fais quoi? Oh là 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 là. Bah, est-ce que je peux bouger déjà? Parce que vous m'avez toujours pas dit que je peux bouger. Oui, c'est bon, vous pouvez bouger. Ouf. Allez, on respire. Donc merci Liane pour le follow. Assis sur la chaise. Oui. Et vu qu'il m'a l'air qu'il y a de sacrés voyeurs dans cet hôpital, oui. De toute façon, hein, ça sert à rien de retirer. À part d'accord. Peut-être les lunettes. Non, ça je peux pas, les lunettes, je peux pas les retirer. Je peux pas. Bon, c'est pas grave, je vais passer derrière la lunette. Eh là, on va y aller doucement. Oh loulou. Mais ça pique votre truc là, vous m'avez mis quoi? Ça pique. Ça pique pas, c'est de la pommade anti-coup. Ça pique. À chaque fois, mamie, elle me dit des tout pareil. Elle me dit, tu vois, ça pique pas. Et après, sous-souffler. Elle dit, fou. Parce que ça peut piquer. Mais après, vous avez déjà pris des coups de gazeuse par votre capitaine? Oui, une fois. Oui, donc c'est pour ça que ça pique en fait. C'est parce qu'il y a des moments, les pommades, elles font revenir les effets de la gazeuse. Ah bon? Alors avec un capitaine qui est à la gazeuse facile comme ça, hein. Popo et papa. Ouais, après, il s'est calmé quand même, hein. Il a fait une fois et papa deux. Hein. Parce que moi, je l'ai même menacé. Hein. Il m'a dit oui, officier, oui. Ah bah vous avez bien fait. Maman, c'est qu'on m'écoute, hein. C'est que moi je suis très 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 charismatique, hein. Ah bah oui. Putain, je déménage en même temps, désolé. Bah oui. Et c'est tout bon là, du coup? On fait plus rien? Bah vous sentez mieux là? Oui. Bah voilà. Enfin, ça me fait moins pipique. Là, vous sentez à 100%? Oui,
à 100%. Prête à aller affronter les ennemis. Oui, je suis prête à aller casser des toute la criminalité de la ville. Ouais, je vais niquer des mamans. Elles auraient demandé les mamans. Oui, mais c'est comme ça qu'ils disent les jeunes dans la street. Ah oui, c'est pas faux. Ah bah oui. Hein. Allez, papa, on s'occupe du petit, là. Allez, à ton tour. Docteur. Mettez-lui un doigt dans le cul, faut regarder s'il a la prostate qui est gonflée. Oui, tout à fait. Ah, du coup, lui, il faut lui faire l'examen complet. Oui, prostate et toutou, hein. Eh ben, on va y aller, alors. Allez, hop, hop, hop. Et on écarte bien les joues. 2 fois par semaine, minimum. Vous voulez peut-être rentrer hein, en tant qu'officier? Ah bah oui, faut que je te surveille, hein. Ça me dérange pas. Alors du coup, vous, qu'est-ce qui vous arrive exactement? Eh ben, pour tout vous dire, ça fait 2 jours que j'ai la migraine. En plus, je me fais tarder par mes collègues, du coup... 2 jours que vous avez une migraine? Ouais. Il y a des hémorroïdes aussi. Oui, mais depuis... C'est combat, là. La crème, tout va mieux. Ah bébé, ça c'est bien, ça c'est bien. Coucou créatif, ça va chouchou. Une tete. Ah, ça c'est que vu que je suis tout seul, bah j'ai l'hôpital pour moi tout seul. Ah, ça en fait c'est bien. Ah ça alors, c'est vous retirez bien tout objet métallique. Je dis bien tout objet métallique. Titi. Concernant les... principalement l'armement que vous voulez donner à votre collègue. Parce que ici c'est un gros aimant en fait. Si vous gardez quoi que ce soit de métallique, vous avez pas de broche ou quoi? Non. Ok, parce que si vous gardez quoi que ce soit de métallique, bah, vous voyez la machine? Ça ressemble à un gros trou du cul. Là vous allez passer dedans. Voilà. Mais où c'est qu'il va? On t'a dit d'aller dans le trou du cul. Ah bah, je te passe ma matraque, tiens. Ah oui, passe-moi. Ah, il doit vous donner. Que s'il a des menottes, pareil, il vous les donne, oui. Les armes, il vous les donne, les... Après, il avait pas un petit cacasier où tout mettre flap, dedans flap, 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 bah, flap. Attends, mais tout doucement, tout... Ah, attends, mais c'est lourd tout ça. Mais non, y'a rien. Attends, tout poser là, parce que... Exagère. Bon, je me mets tout nu. Attendez, au pire, je vais vous ouvrir à côté pour mettre dedans. Ah, merci. Comme ça évitera que ça reste à la portée des citoyens. Oui, c'est pas possible. Ah, bah attendez, il y a tout sur la siège. Attendez, attends. Et t'étais tout bon. Ouloulou, mais c'est qu'il est bien gaulé, Didi. Oh merde, il monte tantant. Bah oui. Ah. Bah, du coup, le but du jeu, c'est pas de vous coller à la fenêtre. Là, je fais quoi, docteur? Bah, c'est de vous allonger sur la table, là. S'il y a une table, c'est pour se mettre sur la table. Monte-moi ton cul. J'ai peur. Ça t'inquiète ça, c'est pas notre ça problème. Va aller. Ok. Bon, je commence, alors. Ouloulou, ouloulou. Oh non, ça devient obscène. Doutou. Mais qu'est-ce qui arrive, lui? Tout va bien? Et vous recrutez ça, là, l'SPD? Ah ben, ça en prend bizutage, hein. Merci, Ilan. Eh, on le récupère pas, nous, après, hein. Non, non, t'inquiète pas. Comme l'autre, pas. Hein. C'est quand même bien. Bah, tu t'es jamais... T'as jamais dormi? Un petit slip, de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. C'est pas un slip. Ah oui, c'est un caleçon, je te l'accorde. Mais il est pas très malin, hein. Et bah vous savez, c'est un cadet, hein. On leur demande pas d'être intelligent, sinon après ils demandent à être gradé si je suis supérieur. Ah bah oui. Bah oui. Bon, alors, c'est de la charge du coup, canon, hein. Oui. Je vais faire un décompte, vous arrêtez de bouger. Hein. Attention, dans 3, ça. 2, 1, c'est parti. Vous bougez plus. J'étais pas bougé. On va devoir le taser. Hein. Bah, genre, je bouge plus, là. Bon, c'est pas ce que dit l'image, hein. Une vraie bon, on va faire un tour de la ville tant que c'est bon. Allez, go. Allez, let's go. Bah, vous fermez. Alors, mon Dieu, mais c'est quoi cette grosse tumeur qu'il a au cerveau?
On dirait qu'il a une taille d'une pomme dans le cerveau. Ah non, ça c'est son cerveau en fait. Ah, mais il est tout petit alors. Ouais. C'est pas la taille qui compte. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est souvent c'est ce qu'elle dit. Oui. C'est pour pas vous vexer, hein. C'est vrai, allez, en même docteur, temps. Vite. Quoi, vite, tu veux qu'il accélère quoi, ma machine? Oui, je suis claustrophobe. Ah. Alors, est-ce que vous voulez que je fasse une erreur de diagnostic et vous y restez? Comment ça, y rester? Mais c'est juste une migraine. Ah bah, une migraine, ça peut être pas de chose. Moi, je dirais qu'il a une non-orange. Hein. C'est compliqué, hein. Là, 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 là. Il va mourir, on est bien d'accord, hein. Il lui reste quoi, 6 jours à peu près? Oh, peut-être même moi. Hein. Ouh, loulou, c'est vous loulou. Qui godusez ou pas? Oui. Je suis tout jeune. Ah bah d'accord, il lui reste moi. Coucou Scooby. Ça va, chouchou? Va mourir, t'inquiète pas. T'auras tout le temps de rire. Allez, hop, hop, hop. Je vous attends. Hein. Oui, pardon. Reprenez ses affaires quand même. Ah oui, merde. Ah, purée. Je peux me rhabiller. Mais je suis pas sa mère, moi aussi, là. Oui, allez-y, rhabillez-vous. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Mais c'est bon, c'est ouvert! J'ai peur! Bah alors, du coup, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise? On n'aura pas besoin d'amputer. La bonne? Est-ce que Scooby-Doo? C'est. Vous consommez quoi comme boisson la plupart du temps? Du taquet! Oh, le soir ou la journée, oui. Ça m'arrive. Ah bah, tout confondu. De l'eau. De l'eau pétillante, sans pellegrinois. Ouais, du coup, bah, va falloir arrêter le pétillant. Seulement du saké. Non. Bah non, de l'eau plate. De l'eau plate, kikadé, voyons. Parce que moi, j'ai rien vu de spécial à part le petit cerveau. Si, tout petit cerveau. Du coup, bah, c'est sûrement que vous ne buvez pas assez d'eau. Une vraie prune sèche. C'est parce que je fais beaucoup de sport. Du coup, voilà. Je vous déconseille l'eau du robinet parce que l'eau de Los Santos, c'est pas potable. Vu les choses qu'on retrouve dedans parfois, voilà quoi. Oula, c'est pas bon. Bon, bah, tout va bien alors. Oui, mais docteur, s'il vous plaît. Du coup, je. Oui, je veux bien vous lui prendre quelque chose parce que là je J'allais y venir. Il est pressé le petit, hein. Vous avez vu Ah ouais. La racaille. Et pour retrouver cet asiatique de merde qui a frappé l'agent. Du coup, c'est bon, vous allez mieux? Oui, nickel. Coucou Limo. Ça va Limo là-toi? C'est moi qui pépaye, c'est moi qui pépaye toutou. Cool. C'est vous qui pépayez quand c'est gratuit. Ben, on a fini les examens, tout va bien. Le docteur a dit que j'étais super bien armé. Tu vois qu'elle parlait pas de ta vie. J'ai jamais dit ça, non. Non, plus personne n'a dit ça. Parce que parlant de super bien armé, faudrait peut-être récupérer votre matraque et tout ce qui s'ensuit, hein. Oui, c'est moi qui l'ai dit, hein, je vous rappelle. Parce que là, vous êtes plutôt désarmé, hein. Oui. Range ton grainerie dans ton cuiseur et arrête de faire le malin. Vous de cocon combien? Allez, alignez la facture. Mais non, alignez la facture, voyons. Comme ça, vous aurez une. Mais non, c'est pour moi. C'est vrai, c'est pour vous? C'est gentil, mais oui, vous inquiétez pas. Oui, trop sympa. Bon, tiens, attends, tes affaires, toi. Ah, flic. Flac. Floc. Pif. Paf. Et pouf. Aïe, c'est mais pas Dieu. La mienne. C'est pas la mienne, ça. Si, c'est la tienne. Elle a plus de pile. T'es où, la sortie? C'est bien d'avoir retiré sa laisse botte. Laisse-moi sortir. Et en plus, il me semble que vous avez les clés de l'hôpital, vous. Ouais. Oui, mais bon, moi, je suis désolée, c'est pas parce que j'ai les clés que je fais comme chez moi. Et vous êtes toujours la bienvenue, officier. C'était gentil. Mais moi, on m'a appris la politesse, hein. La politesse avant tout. Oui. Ah ouais, regardez, c'est pour ça que là je vous ai laissé passer avant, ce qui n'a pas fait votre. Non, mais non, c'est non, parce que moi je ne suis pas le bienvenu, c'est ça, hein, c'est compris. Ben, ça viendra, il faut que tu apprennes à le connaître.
parce que c'est pas une gazelle, c'est pour ça. C'est quoi une cacadelle? Gazelle, ça va être. C'est comme une femme, pareil. On n'est pas en Afrique, on n'a pas d'antilope ici. Moi je voyage beaucoup. Hein. Voyage! Puis pardon, je me suis laissé en parler. Allez, on se barre. Allez, on y va. Hop, 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 une, deux. Allez, une, deux. Bonne soirée. C'est conduire. Voiture suspecte à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il y a de tripot? Voiture suspecte à l'hôpital. Ouais, bien après, on arrive. On arrive. On va attendre des renforts. Moi j'aime pas. Il me paraît suspicieux. J'adore ça. Oui. Je descends, bam. Bam. Prends l'identité. Oui, après, toujours te tenter, mais tu vois, j'attends. Loulou, c'est qui ça? Une dame. Loulou, c'est cadre, c'est quoi ça? Garde la main sur le calibre, tripotin, on ne sait jamais. Oui. Ils sont très lous. Ils se font des essences. Il y a une femme et un homme. Ils nous pointent avec leurs doigts. Oui. Ils vont partir cette vite. Attention, ils sont sur des départs là. On les suit, on les suit. On est à fond, on arrive. Mais la sirène. Non, on les suit discrètement. Vous allez les voir, ils sortent de l'hôpital. Quel type de voiture ils ont? Ça n'a pas terminé devant nous. Oui. Appelle. Allô. Oui, désolé de vous déranger, c'est le médecin. J'ai oublié de demander comment il s'appelait, votre collègue là. Cacao. Cacao. Oui, cacao. Merci, Chouchou. Ah, donc cacao. Oui, cacao. Je sais plus. Merci, Chouchou. Oh, vous inquiétez pas, je pense que ça va le faire pour trouver ce dossier. Oh, merci. Oui. Merci. Je ne dérange pas plus longtemps. Au revoir. Bonsoir, madame. Oh, loulou, mais... Dites-moi, vous voulez faire... C'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la prostitution? C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi ça, madame? Oh là là. Attendez, je viens d'atterrir, me stressez pas. Elle vient d'atterrir. Mais oui, je viens d'atterrir. La stressez pas, elle vient d'atterrir, elle a dit. Elle vient d'atterrir. Attendez. Souffle un peu. Espipidi, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous vous ennuyez un peu là? Ben ça dépend, dites-moi. Mais attendez, on est en manifestation au gouvernement parce que ils refusent d'ouvrir notre burger shot. Ah bon, bah attendez, on va arriver, hein, tout de suite, hein, on finit le contrôle, on est là. On compte sur votre soutien, hein. On arrive c'est au gouvernement que vous faites la même manif? Oui, on est au gouvernement, là. Allez, on arrive, laissez-nous finir notre contrôle et on arrive. Coucou, madame. Allez, pas de soucis, on va aller casser des gueules au gouvernement. Si je me suis arrêté. Bon, c'est quoi, bon, là, allez, vous êtes un macro? Attends, non, mais c'est un macro-cro, hein, c'est un macro-cro, moi, je te le dis, hein. Moi, je dis, il y a de la prostitution dans l'air, là. Ça pue, hein, ça pue plus. Hein. Ouais, vous faites de la prostitution, là. Et quoi? Vous mettez des putes sur le trottoir. Pourquoi la dame, elle a pas de t-shirt sous sa veste, hein? Pourquoi la dame, elle a pas de t-shirt sous sa veste? Ça pourra pâter le client, ça. On t'a vu, mon coco, hein? On t'a vu, hein? On sait comment ça marche, ce genre de choses, hein? On n'est pas des débiles, nous! Tu la mets à combien, là? Tu la mets à combien sur le trottoir? Ça commence par le t-shirt et puis elle se trouve à poil, vite fait, bien fait, sur la banquette arrière. Tu vas pas nous la faire, hein?
seulement c'est comme ça que ça se passe. En plus, elle vient d'atterrir. Elle vient d'où? Parce qu'elle m'a dit qu'elle venait d'atterrir. Hein. Attends, ça veut dire qu'il est au courant que comment que ça fonctionne. Il fait de l'import de trafic humain. Ouloulou. Tu fais de l'import-export du pull. Regardez, elle est quasiment à poil. Elle est quasiment à poil. Si ça, c'est pas du trafic humain, moi je vais vous arrêter pour trafic humain, monsieur. Allez, hop, 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 on se retourne. Vous arrêtez pour trafic. Mais vous avez qu'à lui demander qu'elle rattache son chandail, c'est pas mon problème, ça. Bah, a priori, c'est un petit peu votre problème. C'est vous qui êtes allé la chercher à l'aéroport, hein. Vous comptez vous marier avec elle pour qu'elle ait la carte verte, c'est ça? C'est cher, elle a pas les papiers. Vous êtes responsable de toutes personnes ou choses qui se trouvent dans votre véhicule, monsieur. Moi, je trouve ça très, très suspicieux. Et c'est qui pour vous, la demoiselle? Très, très suspicieux. Mademoiselle, approchez-vous. Mademoiselle, je l'ai rencontrée dans une autre ville et elle fait une visite. Bon, alors on est bien d'accord qu'il fait du trafic humain. Ben, j'en sais rien, je viens d'atterrir. Bah, oui, mais justement, c'est vous! C'est vous le trafic! Vous étiez en train de planer, ça sort? Vous avez de la drogue sur vous? Vous prenez de la drogue en plus de chien! Elle a tellement dit, vous dites que vous venez d'atterrir! Elle a un décalage horaire! Radio, il y a dans ce genre que Prépotin et McBucky. Qu'est-ce qu'il y a? On est que nous! Oui, on va aller faire la manif. On va aller prendre. Il y a des gars qui manif devant le gouvernement, on va y aller! Okay, vous nous suivez ou vous restez là? On va y aller aussi, on va y aller. Allez, on les lâche. Bon, le truc de crochetage, de toute façon, ça sert à rien tant qu'on arrive. Moi, je retiens que lui, il fait du trafic de femmes. Ouais. Et elle se prostitue. Voilà. Mais vu qu'on n'a pas de preuves, on vous laisse là. On vous laisse pas partir. Vous en faites pas, on vous garde à l'œil. Et moi, j'en ai 4. Moi, j'ai 4 yeux. Alors, faites gaffe à vous. De toute façon, on a placé un traceur sur votre voiture. Nous savons en temps et en heure, à la minute près, au centimètre près où vous trouvez. Exactement. Allez, faut que c'est le camp. Allez, hop, 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 on y va. Go gouvernement, va la ma manif. Vu comment je l'ai arrêté là, Tripotin. Incroyable, incroyable. Je rêve qu'on s'en forme ça, Anno. Ah, arrête, Fried. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris le volant. Alors, il y a une manifestation devant le gouvernement. Où est-ce qu'ils sont? Tu vois quelque chose? Ah oui, là-bas, il y a des panneaux. Là-bas. Allez, hop, 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 on y va. Alors, pourquoi vous êtes pas content? Manifestation, pas content. Il a fait ouvrir notre restaurant. Bon, attendez, bougez qu'est-ce pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Mais non, on est pour eux, on n'est pas contre eux, on est on là est pour les pas protéger. Content, pas content. Mais ils manifestent pourquoi? Burger Shot Fermé, pas, terre, mais pas content. Ça fait une semaine qu'on attend notre magasin, on a fait tous les papiers, on pas attend pas le restaurant. Pas content. Eh, mais c'est vrai que j'en ai marre de bouffer des pizzas, je suis d'accord. Bah voilà, venez avec nous manifester. Burger Shot, pas content, pas content. Alors, les gars, arrêtez de hurler, écoutez-moi pour bien. Deux choses. Premièrement, en tant qu'agent, on n'a pas le droit de manifester. Vous avez tout mon soutien, c'est tout à fait d'accord. Non, mais on manifeste pas, on est là pour les protéger. On sera là pour assurer la protection et pour éviter que ça parte en couille. Alors, ce que je vous propose, vous restez près de vos voitures. Vous restez près de vos voitures. Nous, on manifeste, on fait du bruit, on essaie de pas foutre le bordel. Tripotin, vous me faites peur avec ce que vous avez dans la main. Est-ce que vous êtes au courant que le gouvernement nous agresse? Est-ce que vous savez si le gouvernement il est en service ça ou pas? Apparemment non. Bah pourquoi vous manifestez alors s'il y a personne? Eh bah c'est pas grave, on fait du bruit. T'es qui là-bas? T'es qui là-bas? Comprends. T'es qui ça? T'es qui ça? Qu'est-ce que vous faites près du gouvernement, monsieur? Vous me paraissez louche. Oh loulou, il sort une arme! Bah ouais, mais je vous dis, vous allez sortir une arme! Foutez le camp! Vous n'êtes pas très stressé, hein? Ah non, c'était votre téléphone! Ah, pardon! Désolé! Ah, désolé! Vraiment encore désolé!
Ça va le... Eh bah tant pis, ce sera la guerre. Pas content, pas content, pas content. Pas content, pas content. Regarde ce que j'ai dans la main, t'as vraiment envie de gueuler. Qu'est-ce qu'ils ont à gueuler là, encore plus fort à gueuler, mais pas trop fort que quand même. Pas content. Ta gueule. Oui madame, allez, parlez-y. Parlez-y. Au pire des cas, si vous nous rassassinez la gueule, vous savez quoi, je prendrai ça à la pub. Ce sera nos nouveaux Smash Burgers. Ah, c'est pas mal ça, le Smash Burger, j'aime beaucoup. Ouais, bah, avant de faire un Smash Burger, faudrait déjà avoir le burger. Alors, oui. J'irais plus loin, un flash, mais bon. Alors, j'ai réfléchi au plan B et au plan C, mais pour l'instant, faut pas que j'arrive. Monsieur, passez pas derrière nous, s'il vous plaît. Vous faites peur. Est-ce que vous avez un plan B pour une autre entreprise au cas où le burger... Je vous demande, je vous dis un s'il vous plaît. À deux doigts d'élever des pingouins, là, je vous avoue, monsieur. J'ai une idée. Moi, j'aime bien les pingouins. Vous ne demanderiez pas au pizzaiolo de vous faire une pizza ou en verre. Mais péter des harnons. Mais quoi? Et pourquoi pas on ferait des saucisses à l'unicorne aussi? Oh, mais ça c'est possible. Bah l'unicorne, hein, ils ont des pouponnés alors. C'est un baraku donc ça reste dans le fait. Donc bon, non, mais monsieur, nous, on là, veut des burgers. Monsieur, ce que vous me proposez là, c'est vous savez quoi? Je vais prendre l'entreprise de pêche et je vais faire des barbecues. Pas mais... content, pas content. Elle est limite. Est-ce que vous avez envisagé une sorte de food truck en attendant? Vous avez mais on peut pas, y'a pas de burger, y'a rien. Bonjour, enfin rebonjour. Moi je vous propose de faire des burgers avec de la boubou en attendant, des petites poteries. Ouais mais c'est pas très très bon. Non mais pas pour les manger mais pour présenter déjà un petit peu le produit quoi. Alors pour le coup les hamburgers monsieur je maîtrise, vous êtes prêts? Allez montrez-moi. Eh par contre vous l'avez trouvé où votre panneau stop là? Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Regardez. Du vol, ça, non? Je vous sers quoi, monsieur? Voyons. Mais qu'est-ce que tu fais? Nous, on fait des burgers. Je fais des hamburgers. Ah, des hamburgers. C'est pas mal, l'idée bonne. Pas de cornichons, des petits oignons frits et une double douce sauce Jaya. Moi, je veux un hamburger au poisson sans fromage avec la sauce de luxe. Ah, madame a du goût. Les burgers au poisson sont tellement supérieurs. Moi j'ai un triple cheese. C'est dégueulasse. Ah, je suis désolé, mais le filet au fish. Oui, on est bien d'accord. Double filet au fish. Mais sans fromage. Ça y est, j'ai faim. Je vais faire ma commande là. Moi je veux un maxi Burger King avec 4 steaks, 5 salades, plein de cornichons, d'oignons frits avec une sauce cream and onion délicieuse, des tomates et du ketchup. Et du fromage évidemment. Vous voulez le supplément de cholestérol de votre commande? Vous faire servir par la dame qui est là. J'ai pas besoin de cholestérol, il est déjà là. Non, parce que là je peux t'assurer que tu manges un croc dans ton burger, t'as du cholestérol sur 3 générations. Non, non, oui, ça fait ça. Et puis c'est pas grave, il a 7 enfants, donc ça va se résorber. Ah, mais aïeux. Qu'est-ce qui s'est pas passé là? On lève les mains. C'est pas moi qui l'ai mise. C'est qui? Pas content. Qu'est-ce que c'est? Je me fais taper, c'est pas cool. Ah, j'ai vraiment les taper par contre. J'entends toujours rien ce que tu me racontais. Vous avez dit quoi? J'ai rien entendu en radio. Et on n'a pas de... Pas content. Allez, c'est qui le connard qui fait son bruit là? Elle est même pas coupable. C'est lui là. Bon bah le tas lui hein. Voilà. Problème est réglé. Donc je disais, on tente seulement les personnes qui nous agressent. Merci madame, merci madame. De rien. Attendez. De docteur. Monsieur Phelps, il prend sa soirée. Mais après, bah, je sais pas les autres. Attendez, tenez. Prenez mon numéro et dans le cas où vous avez un supérieur qui arrive, téléphonez-moi, s'il vous plaît. Et si Mélanie est disponible de même, hein, il est au courant, il m'a dit, il m'appelle. Annie. Hop, je reprends. Bon, attends, il y a le gouverneur, je crois que c'est le gouverneur, ça, non? Pas content. Papa, on s'approche pas trop près. On s'approche pas trop près. Pas content. Madame, vous pouvez la contacter.
On va lancer fermer celui, lui. Celui avec sa putain de corne à la con, là, arrête parce que c'est horrible. Hein. Ah bah il a pris un coup, hein. Pourquoi il... Alors, je vous explique de façon. Je m'explique de façon simple, monsieur. Je suis censé être le propriétaire du Burger Shot. Ça fait depuis lundi qu'on m'a montré les locaux. Mais ça fait depuis lundi qu'il n'y a aucune évolution sur la récupération de commerce. Cacadé, faites un petit peu vos lacets, là, s'il vous plaît. Moi, ils sont en train de compliquer à vous. Je suis en train de négocier avec eux pour qu'ils avancent. Ah oui, je comprends, mais bon, c'est vrai que quand je vois certains commerces comme le tequila là où c'est allé très vite, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi moi ça traîne. Ah bah écoutez, entre temps, j'étais en désaccord avec les fournisseurs et les travailleurs et tout, ils se sont mis en grève, j'ai sorti une solution avec eux. Il y a beaucoup d'hommes, ouais, qui sont femmes. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas, je suis en pleine négociation avec eux. D'ici quelques jours, vous devriez l'avoir. Ah oui, mais le souci, comprenez, monsieur... On veut une date. Oui, est-ce que vous comprenez, monsieur, c'est que moi, d'ici dimanche, je dois retourner en France pour des problèmes de santé. Je serai pas toute la semaine prochaine, donc je veux bien être sûr que mon entreprise soit transmise entre de bonnes mains. Dimanche, en France, et ben alors, qu'est-ce que vous faites ici encore? Ah, vous êtes un Français? Oui, je suis Français, mais je travaille ici. Oh merde, oh merde. J'ai ma carte verte, hein. Bon, bah c'est bon, leur donnez pas le Burger Shot, hein. Ouais, non, après ils vont nous faire des baguettes avec du fromage là, ça va puer. Oui, et ils vont se rapproprier les frites là. Alors, oui, non. Vous laissez discuter avec mon gouvernement, donnez-moi votre numéro de téléphone au pire. Oui, bien sûr. Mais à la limite, si vous êtes pas là la semaine prochaine, mettez quelqu'un de confiance en copatron, comme ça il gère l'entreprise, le temps vous refuse. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a. Oui, je vous ai envoyé mon numéro, gouverneur. Ah, monsieur le rouquin. Oui. Le problème, c'est qu'il y a plus de jeunes à ma droite, là, quand même. Alors, t'es pas monsieur le rouquin, c'est monsieur l'agent de police, quand même. Oui, mais peut-être bien, madame. Mais on s'en fout, c'est un agent de police, en fait. J'aime bien les rouquins, je vous rassure. Hein. Mais je m'en tape que t'aimes les rouquins, mademoiselle. Tu vas te calmer, hein, sinon je te tape. Moi, j'ai du mieux refusé, excusez-moi. Vous, par exemple, vous êtes magnifique, madame. Merci. T'as vu, moi, c'est maîtrise, maman. T'as vu. J'aimerais bien que vous maîtrisiez, madame. Oui, alors non, par contre, ça tu vas te calmer, hein, pour de bon. Ah, mauvais bord, moi j'aurais tenté ma chance. J'ai vu ta street cred de tripotin. Mais putain, il a agressé là! Mais te bats toi! Eh, c'est bon, allez hop hop hop! Hop 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 hop! Allez, on embarque! Agression sur le gouverneur, mais vous avez cru quoi là? Je me notais plus, c'est pas parce que vous êtes pas content que ça marche que comme ça, hein! Je peux pas ranger mon téléphone en fait! Mais ah, merde, attendez! Bon, c'est bien parce que vous avez votre téléphone dans les mains, parce que je suis sympa, hein. Je peux vraiment pas le ranger, en fait, il est bloqué. Bougez pas. Rangez votre téléphone. Attendez, je bouge un peu. Non, c'est bon, c'est fini. Je peux pas ranger. Il a encore son téléphone. Je peux pas le ranger, il est coincé sur le partage. Oh, purée, mais c'est pas possible, hein. Vous allez ranger votre téléphone maintenant. Mais j'aimerais bien. Je vois toujours alors qu'il est dans ma poche. Ah, ça c'est contraignant. Je me prépare au cas où si pour la bonne. Allez faire un petit pipi. Allez faire un pipi, dépêchez-vous. Attends, avant que tu dises, doucement. Attendez, est-ce que je peux faire un micro dodo s'il vous plaît? Oui, allez-y. Bah, comme ça, j'ai une bonne nouvelle. Allez, pissez. Il va être tellement content quand je vais lui dire qu'il a voulu me taper. Ben, de ce coup-ci, il peut faire grève. Oui, non, mais nous, vous comprenez, on assure votre sécurité, monsieur le gouverneur. Vous avez raison, faites du très bon travail. Non, on a qu'un gouverneur, on en a pas deux, donc... Ils font du bon travail, vous avez quand même pris une patate avant qu'ils interviennent. Oui, on n'a pas vu la patate venir. Mais désolé, on n'a pas anticipé la patate, hein. Bah oui, ça se passait bien. Bonjour Marie, je viens de vous découvrir, je tiens à dire que j'adore ton verre. Merci, Pipou, merci beaucoup. Ouais, mais il faut pas écouter monsieur l'enclume. C'est bien pour ça qu'il faut pas l'écouter. Vraiment, je vous fais le résumé de la conversation. C'est ah bonjour monsieur l'enclume, comment vous allez? Agression, ne parlez pas. Ah ouais, c'est un très bon résumé de monsieur l'enclume. Ah oui, j'ai voulu dire bonjour. J'avais des trucs sur moi que je voulais lui donner pour lui faire plaisir. Ah mais c'est pour ça. Ah mais non, mais j'ai compris. Il s'est senti agressé. Vous avez des choses à lui donner. Il sait pas ce qu'il est censé faire. J'ai juste dit bonjour, comment vous allez monsieur l'enclume. J'ai fait un pas vers lui, il a tiré dans mes pneus. J'ai fait au revoir monsieur l'enclume. D'accord. Oui, c'est le sergent instructeur. Ah oui, les agents, mon beau capitaine, il va comment? Il va bien. Il va très bien. Toujours aussi beau. Forme, hein. Toujours aussi gros. Par contre, pardon.
Pardon là. Vous avez dit quoi là? Moi je trouve que ça fait deux insultes de t'affiler sur l'agent de police quand même hein. Oui. T'entends, Fion, hein. C'est mon avis hein. Oui, bon, oui, on s'en fout de ton avis. Moi aussi je me trouve grosse, vous savez. Bah non, vous êtes bien cocolé. Ouais, mais vous savez. Bah, faut savoir. La frite. Mais dis donc. Je vous ai tendu une perche, vous l'avez refusée, madame. Ouais, mais non, moi je suis désolée, je body shame pas les gens. Moi non plus, je ne fais qu'affirmer que ce qu'elle dit. Hein. Bah, tu peux pas l'affirmer, le gars là. Putain, d'accord, excusez-moi. Ta langue, ça voulait même pas faire le traducteur dans ma tête. Non, je vais te gazer, c'est pas. La prochaine fois qu'il gueule, envoyez-le ailleurs, cet enfoiré, vraiment. Oui. Bon, monsieur le gouverneur. Non, vous êtes écolo ou pas écolo alors? Alors oui, voilà, c'est bon, j'ai réfléchi à votre question de la dernière fois. Ah, ça y est. Le temps que l'argent rentre dans mon état, j'en ai rien à foutre de votre écologie. Voilà, au moins c'est... Oh, ça fait ça. Alors, qu'on soit bien d'accord. Alors, je m'en fous pas d'un certain côté, mais parce que le bien-être de mes citoyens est important. Ça va, maintenant, avant que nous faisons si on arrive à faire des efforts chacun, on pourra polluer moins. Mais on peut pas promettre une écologie parfaite, ça n'existe pas, nos terres sont déjà empoisonnées. Ah oui, comment ça, il se rattrape. Vous la concorde. Et qu'est-ce que vous comptez faire de la surpopulation des vaches dans les prés? Moi je propose d'organiser la purge une fois par an. Mais les vaches, on en a besoin actuellement dans la prairie. Oui, mais on a beaucoup trop de vaches et ça produit trop de méthane. Et du coup, ça crée un trou dans la couche d'ozone. Et aux États-Unis, c'est l'un des pays. Ok, MacGrisby, mais bon, on s'en fout un petit peu. Officier Tripotin, vous doutez bien qu'il y a tellement de cons dans le monde, c'est pas pour ça qu'on les bute. Tu suis coincé avec le poteau. Oui, on va le faire. Ça fait deux, trois fois qu'on va taser. La prochaine. Ah bah voilà. Voilà. Ah, voilà. Oh là là. Oh bah. Oh, tu gueules encore une fois, tu tires dessus. Pourquoi vous m'avez... Bah toi, c'est dommage collatéral. Ah, c'est le sergent de l'alerton. Et j'arrive, j'entends crier, je vois une morue en train de taper un autre. Hein. Oui, c'est. Mais il y en a un qui gueule comme je sais pas quoi. Oui, nous on a protégé le gouverneur. Normalement, les animaux, quand ils hurlent à la mort comme ça, c'est qu'ils souffrent, faudrait les abattre. Oui, il faut les abattre. Ben, c'est ce que je disais, parce que tout à l'heure on parlait d'écologie, je sais pas quoi, avec les vaches qui polluent. Moi je disais, il y a bien des cons qui polluent, donc. J'ai envie de dire que bon voilà, qu'est-ce qu'il fait lui avec son carnet? Peut-être que moi je vote pour les abattre alors. Madame Lardon. Moi je vote pour abattre les sergent. C'est sergent. Vous êtes arrivé comment, sergent? Mais je vous connais pas, vous. Mais vous m'avez contrôlé hier. Mais alors, je vous connais pas. Je sais pas, moi je vous connais bien. On traite des centaines de gens tous les jours. Vous êtes à combien de personnes? On n'a pas élevé les cochons avec vous. Et dites non, mais on est si proche que ça, vous connaissez toute ma vie comme ça. Mais non, mais vous me l'avez. Non, mais vous me l'avez dit hier. Kékadé, cacao, vous êtes où? Je crois qu'on a perdu le cadet. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes assis là? Je fume une clope. Ah, vous fumez une clope pendant votre service? Vous prenez une pause, tout va bien? J'ai pas le choix. Comment ça, vous n'avez pas le choix? Mais vous voulez le choix de perdre votre plaque? Non, je vous jure. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Bah vous prévenez déjà, si vous voulez fumer on peut faire une pause, mais prévenez-moi quand même. Mais je peux pas, ce serait que de moi, j'aurais fait un retour poste de police, mais je peux pas, je suis pas de l'équipe. Donc je vous ai laissé sur la situation, je me suis sorti. D'accord. Je suis cadet, je peux pas apporter trop de sang, je m'en fous. Ah bah bien sûr que si, vous pouvez apporter votre corps, déjà, bouclier humain, c'est très très utile, on en a beaucoup besoin hein. Surtout que ça part comme des petits pains, alors après on est dans la merde. Donc non. Voilà.
manifestation, j'ai envie de tous les matraquer et les renvoyer d'où ils viennent. Voilà. Oui, d'ailleurs, joli coucou de tonton Fa, hein, bien ouais. Organisé, hein. Avec derrière la tête et tout, comme il faut, hein. Je chie tout le monde avec son zouzou là. Ah oui, tata, je suis d'accord avec vous. On va enlever les plots, hein, okay. Un par ouais. Un. Allez, ouais. Je vais enlever ceux du fond et vous enlevez ceux-là. Allez, c'est super. Allez, on va aller, on y va, nous. Y'a pas de soucis. On part en papatrouille. Oui, mais moi, je vais pas m'amuser à faire la sécurité sociale. Oh, bah oui. Allez, hop, 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 on y va. Allez, salut. Salut. Non, non, il fait trop le malin, lui. Oui, papa. Hein. Bon, est-ce qu'on faisait expliquer ? Et à la radio, on recherche une petite salope avec une voiture type 4 portes de voyou, noir avec un peu de rouge dessus. Faites attention, il y en a souvent. Ça avait l'air d'être un ami à Marcus Follet. Trouvez-le et lui mettez la misère. Je viens de braquer, il vient de partir. Il a fait un délit de fuite, j'ai ouvert le feu. Vous avez une description du mec, s'il vous plaît ? J'ai pas le prénom. Non, mais une description plus physique. J'ai pas trop le temps de voir. Brun à moitié, cheveux longs. Cheveux noirs dans une voiture. Noir, nacré avec un peu de rouge. Une autre couleur à la con. Merci. Et au pénis, et il allait direction centre-ville. T'es d'accord. J'ai vérifié. Encore un arabe. Bah, du don, bah, ça peut pas forcément. Ça peut-être tient. Un chinois, ça peut être un chinois, ça peut être un chinois, hein. Oui, ben oui, il y a beaucoup de chinois, hein. Bon, vous gardez bien l'œil ouvert, hein. Compte sur vous, moi, compte sur vous. On va passer devant l'hôpital, on va voir un petit peu s'il est... Peut-être il s'était fait bobo, alors puis du coup... Ben il revenait du Bénis, alors je sais pas s'il est retourné. On peut aller voir. Le capitaine il a touché sa voiture, hein, il va se dire ah, je dois la réparer. Oui, pas faux. Allez, c'est parti, go pour le Bénis. Donc du coup vous conduisez bien. Oui, ça marche. D'accord. Aïe. Pardon, je regardais de l'autre côté. Attends, d'ailleurs, il faut mettre de l'essence. J'ai pas fait exprès, hein, parce que je regardais du mauvais côté. Tu vas rater la racaille. Oui. Attendez, je vais mettre de l'essence. Ah, mais c'est toujours pas là, hein. Ouh, cette station, elle est... Ah là, on part. En fait, il y en a une. Ah oui, en bas de l'autoroute là. Là, à gauche, bien sûr. Juste là. Ah, c'est une petite attention, ça. Ah bah voilà, fallait le te dire. Bougez pas. Miroir parc ouvert, venez découvrir les meilleurs produits disponibles dans la ville. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, c'est parti. Let's go. Est-ce que vous êtes prêts à casser des cucus? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à niquer des mamans? Ah ouais. Allez, c'est parti, on y va. Bon, peut bénir. Il y a bien des voitures ici, de banque. Voyons. Regarde, ouais, on dirait un... Ah oui, la tata, ah, on va voir. Potentiel véhicule au Bénis noir, non. On va s'en prendre. Comment ça non. Je suis dans le Bénis, c'est pas celui-là, c'est le même que celui-là, sauf qu'il est parti, c'est quatre presque le même. Mais non, mais vous t'inquiétez pas, moi je vous... Attendez, t'avais quoi? T'avais quoi? Sergent, il y a votre cookie club qui est arrivé là. Là, qu'est-ce que vous me racontez? Je monte un dossier sur vous, espèce de macro.
espèce de pimp. Le Mexicain. Mais vous devriez peut-être faire gaffe, hein, c'est vous la dernière fois qui m'a touché la... Ah mais c'est vous. Ah merci. Ah vous avez pas reconnu, c'est vous qui appelez Andy? Non, Kikeli. Ouais. Ah Kikeli, c'est Kikeli, c'est ça? Ouais. Ouais, avec Kelly, je m'en rappellerai de toi. C'est bon, c'est maintenant que t'es un macro. C'est pas pour rien, je me souviens de vous, hein. On a eu des petits moments personnels ensemble. Ouais, enfin, personnel, n'exagérons rien, hein, en même temps. Ah, mais c'est vous, hein, qui avez commencé à palper, pas moi. Bah, c'est mon travail, hein. C'est comme. C'est quoi votre travail à vous? Moi, je ramasse de la ferraille. Bah voilà, vous palpez de la ferraille, moi je palpe des cornichons. Des cornichons? Bah oui. Ah ouais, parce qu'il y a pas assez de niche. Ok. Bah excuse-moi, hein, moi j'ai vu des concombres dans ma vie, j'ai vu des cornichons, hein, le vôtre, hein. Oui, vas-y, oui, quoi, c'est tout. Ah ouais, oui. Oui, avec ta petite voiture. Au moins tout le monde le connaît. Oui, bah, ouais, comme ça on connaît. Ah bon, ah oui. petit quand même. La brochette de voyous au Benetton. Ah, ouais. ça c'est parce qu'il n'était pas encore en simple forme. Ah, ouais. Bah, rien vu encore, hein. Bah, non, mais je vous crois. Après, il y a les cornichons qui sont un petit peu plus grands aussi. C'est pas mal. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, vous savez ce qu'on dit. Hein. C'est pas la taille qui compte. Hein. C'est la façon dont on croque le cornichon. Hein. S'il a du goût, c'est tout va bien. Ouais. Bon, un citoyen m'a dit que la même voiture que l'intérieur là. Hein. Oui, il a dit qu'à Pupitaine c'est pas celle-là. Donc on y va. Allez, au revoir, Kikeli. J'étais à l'œil, fais gaffe. Hein. Dans quel sens à l'œil? Comment? Dans quel sens à l'œil? Bah, dans les deux. Les deux yeux. N'oblige pas à sortir de véhicule, charognard. Ok, toute l'équipe, je voudrais l'équipe au complet à 22h afin de faire une intervention à l'hôpital. Affirmatif. Rendez-vous 22h, commissariat. Bon, on va essayer de trouver cette voiture là. On va y aller tout doux. Qu'est-ce qu'il a à courir là? Il court, il est suspect. Ouais. Il a croupé en plus, il a croupé. Hop, on va aller voir. Moi je dis ça, c'est pipitard ça. Regarde, il se cache. Allez, on y va. Dépêche. On se déploie, Cadet, on se déploie. Allez, hop. SPPD, vous êtes en état d'arrestation. Hop, hey, monsieur! Il regarde le catalogue, hein. Ah oui, ben voilà, Cadet. T'as pas été assez rapide, hein. Et qui sort, je l'attends. Non, ouais, t'attends. 22h comme Nico. Ah, ça va être. On va faire une descente à l'hôpital. Te cache. Bon, tant pis. Allez, viens, on n'a pas le temps. On y va. Une, deux. Attends, j'ai pas ouvert. Tout toujours fermer son véhicule, Cadet. Tout toujours. N'oublie pas qu'on est dans une ville où il y a des malfrats. Ils sont là pour nous embêter. Ils sont là pour nous voler nos voitures. Et nous, on est là pour les arrêter. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Oui, t'es content? Oh là là, la conduite. Qu'est-ce que c'est ça? Attention ici, normal quoi. Allez hop, je te laisse la mettre à la fourrière. Allez hop, hop. Allez hop, ça dégage. Ça dégage. Bon travail, Cacadé. Des fruits, du fromage frais. Ça c'est du beau travail, Cadet. Ça c'est du beau travail. Je suis fière de vous. Bravo. Bon. On va monter dans le haut de ville.
On va aller vers le tequila là, on va regarder s'il n'y a pas des... une voiture suspecte là-bas. Regardez à l'hôpital quand même, voyons, parking. Non, y a rien. Il y avait le NTD aussi ouvert, un Mirror Park. Ah, mais tiens, on va aller voir le Mirror Park. Coucou, Rom. Merci pour ton follow. Sur la droite. Ouais. Putain, pardon. Oh, putain. Non ouais, désolé, j'étais un peu perturbé là, j'ai regardé. À droite. Ouais, j'ai regardé derrière. T'es là? Oui, à droite encore. D'accord. Ah oui. Suspect, hein. Oh le lourd, regardez, c'est beau ça, c'est beau pot ça. Attends. Ah. Hop là, nickel. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on fait. Nickel. Ouais. Vous voulez pas sortir? Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Hop, oui, ça va bien et vous? Ça va, vous avez ouvert le LTTD? Oui, bien sûr, oui. Ouh. Mais monsieur, vous n'avez plus l'âge de travailler là, regardez-moi. C'est vous qui payez ma retraite? Je crois pas là. Non, il n'y en a pas de retraite. Bon, qu'est-ce qu'on vous prend alors? Qu'est-ce que vous vendez? Eh ben, je vous en prie, je tiens à l'œil aux étagères. Allez, moi j'ai faim, moi je veux manger des... Ouh, il y a des donuts, tout. Oh, par contre, vous me chalopez pas le sol là, putain. Je vais ah, pardon, t'es désolé. Ah, ça va, vous en faites pas, j'ai l'habitude. Oui. Oh, bah dis donc, vous avez plein de bons trucs, hein. Eh oui, on fait pas semblant, ma petite dame. Hein. Pourquoi vous vendez des bouteilles cassées, monsieur? Ah oh, putain, ça c'est encore des clients qui ont dû péter les bouteilles, ça. Ah oui, il y en a plein. Ah, ouais. Une fatigue, il va falloir que j'aille en réserve pour changer ça. C'est quoi de la queue de loutre? Ah, ça c'est un mets exotique, ma jeune demoiselle. C'est bon? Eh oui, c'est très très bon. Malheureusement, c'est pas avec ma retraite que je peux m'en payer, vous voyez. Mais ah c'est... bon? Je me fais toujours une petite boîte pour Noël. Et voilà. Attends, j'ai fait le sport, que je voulais dire. Ah oui, moi j'ai acheté plein de trucs. Moi aussi, j'ai acheté des trucs. Bonsoir. Bonsoir. Papi. Oui, bah ça va bien. Tiens, c'est un cadeau avant Noël. Ah bon? Cadeau oui. Pour moi. Oui, attends, c'est. Je connaissais l'expression la foi sur les hommes, mais j'avais jamais vu de ma. Attends, croire, dégage de là, toi. Attends. Pardon, excuse-moi. Tiens. Non, mais ah, parce que t'arrives. Bonsoir, Arthur, comment tu vas? T'arrives pas à lui donner. Tiens. Ah merde, non. Attends, bouge pas. Tiens. Ouais, tiens, bah moi j'arrive à l'hôpital après, je passe au nouvel TD, voir ce qu'il y a. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire plaisir avant Noël, parce que Noël, c'est dans longtemps. Eh oui, ça vient de passer, madame. Il y a ben ouais, faut attendre encore longtemps. Eh ben, c'est très aimable de votre part, ma petite dame. Ça me fait bien plaisir, coucou Tornado. Moi, ça me fait plus plaisir, moi, vous aime beaucoup, vous êtes trop gentil. Et puis votre magasin, ah, merci, il sent bon le propre. Ah oui, ben j'essaie de laver, mais à chaque fois, ils jettent leur ticket de carte bleue par terre, là, les gens, ça m'énerve. Ouais, c'est... Non, ça, c'est pas cool, par contre. Faudrait peut-être mettre une petite poubelle juste de là. Mais il y en a une ici, madame. Où ça? Ah oui. Juste là. Eh ben, c'est des malfrats, faut nous appeler, et nous, on va les cocoffrer. Ah oui, mais bon, vous savez, pour des bouts de papier, je vais pas faire déplacer les forces de l'ordre. Oui, c'est peut-être pas bête, parce qu'après, mon capitaine, il va m'engueuler si c'est que je vous ai dit ça. Bah, c'est surtout que je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Hein. Pour des bouts de papier, vous n'allez pas vous déplacer, je comprendrais. Merci bien. Hein. Oui, mais non, quand même, nous, on fait attention à tous nos citoyens. Tout le monde est pris prioritaire. Il n'y a pas des gens plus hauts que les autres, sauf le gouverneur. Ah, bah, c'est très gentil. Oui. Monsieur, je peux vous poser une question? Attendez, je vais vous rester un truc. Oui, bien sûr, oui. J'ai faim. Attends, moi je vais prendre du limoncello, on va prendre 10. Hop. Ils vendent pas d'eau aussi, ils vendent de l'eau. Hop. 10. Pas empiler ces objets. Ah, ok.
je crois que j'ai... Ah, je peux en prendre que deux. Pourquoi j'ai pu en prendre que deux? Ah, il y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plus de limoncello. Ah ben non, je viens de prendre les deux derniers. Tu les veux? Je te les donne. Attends, bouge pas. On avait mis du limoncello. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Attends, tiens, je te donne. Attends, putain. Ah. Ah oui, mais... Et je vous rembourse quand même. Mais non, on m'en fout, moi. Vous avez pas, monsieur. Mais si, je vous rembourse quand même. Mais attends, il y a trop de monde. Oui, bien sûr. Il y a trop de moments, ils arrivent pas. Tiens, prends. Tiens, c'est cadeau. Non, pas cadeau. Bah si, tu m'as offert le tout à l'heure et tout tôt là. Chacun son tout. Bienvenue dans notre établissement. Ah, c'est à vous? C'est à vous? Bon, bah c'est genre. Bah de rien, avec plaisir. Bonsoir. Avec plaisir, avec plaisir. Bah on commence déjà à vous vider vos stocks, nous. Désolé. On prend, on perd pas de temps. C'est pour passer dans le journal, le jeu? Non, c'est pour compléter votre dossier personnel. Vous trouvez quelque chose qui vous intéresse? J'aime bien. J'ai acheté de la queue de loutre parce que je voulais goûter. C'est très très bon. C'est super c'est excellent. Bon. Ouais, c'est excellent. Un maître erreur et raffiné. Ouais. Par contre, faut faire attention parce qu'il y a des clients, ils ont cassé plein de bouteilles. Il faudrait peut-être les jeter. Oui, t'as vu ça? Ils ont pété les bouteilles des biens. Ce sont des bouteilles en verre faites par un artisan. Si vous regardez, ce sont toutes les mêmes. C'est travaillé par un expert. Attends, faut voir. Et vous les avez eu faire les clients? Ah bah dis donc. Casser les bouteilles. Bah non, mais c'est parce que je trouve que c'est... Moi je trouve qu'on aurait dit des bouteilles de cacassé, donc mais je savais pas si c'était une œuvre d'art, moi je connais rien. L'art qu'on compte en tant que porin. Bah oui, ça c'est l'art. Mais oui, j'ai cru que tu me parlais de la charcuterie, du lard. Putain, non, je suis con, moi. C'est pas de ta génération, papy. Du coup, c'est cher. C'est pour ça que c'est aussi cher. Ouais, absolument. Par contre, je comprends pas pourquoi il y en a une qui coûte 500, une qui coûte 100, une qui coûte 300. Si vous voulez, ce sont des objets travaillés. Votre collègue, c'est pour nous aider pour le lancement. L'édition 1, la 2, la 3, la 48, elles sont toutes notées. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas vu, vous faites qu'un Kairi aussi. Ouais, alors, on essaie de se développer et de proposer des choses diverses, voyez. C'est bien, c'est bien. Je vais vous prendre des donuts. Tu vois, collègue. Ah. Il y a le jeu d'homme. On voulait pas, mais je m'en doutais. T'es bon. Ah ouais, un cadeau. Oui. Tiens, il dit que c'est pour nous aider. Pour vous aider pour le lancer. Bon, mais moi, je vais vous laisser parce qu'après, je vais me faire gronder. Merci en tout cas. Ça, c'est bien sympa. J'aime pas beaucoup votre TD, je reviendrai. J'insisterai encore de la prochaine. À bientôt. À bientôt. Ouais, bah pareil, moi j'y vais aussi. Bonne soirée, bon lancement. Allez, hop, cadeau, on y va. On y va. Oui. Attends. Putain. Ah, c'est bon. Hop, allez-y. On y va. Merci. Hop, on y va. Ah ouais, c'est bien ce qu'il pense. Oui, on va le bénir, on va faire réparer la voiture et après c'est toi qui conduis, comme ça tu me montres un petit peu tu me montres tes niveaux. Oui, je te le montre sans souci. Et puis comme ça après tu pourras peut-être m'apprendre un petit peu. Moi je conduis super bien. Cours de golf, cours de parapente. Oui, Ouais. Ça fait beaucoup ça. Zamber. T'as entendu le call radio? Non, t'as pas entendu les trucs. D'abord, faire attention au Bénise, un individu qui protège le Bénise de je ne sais quoi. Attends, un petit qui est très méfiant en profondeur. T'es d'accord. Voilà. T'as vu comment je l'ai évité et tout, hein? Ouais, l'aura. Ouais, coup de cul et puis pouf! Voilà. Oh lolo! Eh! C'est lui! Dis-le en radio! Radio là, on suit dans les vidéos avec la voiture noire et rouge. Bénisant, direction Unicorne. L'individu retourne la cube.
fait le tour, il fait le tour. Ok, encore, c'est pas un lourd, lourd. Il est où, il est où, il est où? Là-bas. Tout droit, il tourne à droite. Il va repartir devant le bénisse en guénard, il tourne dans les quartiers. Là, à gauche. Là. On est d'accord que j'ai les pires flics de tout ce putain de commissariat. Ah putain, même. C'est lui. On interpelle. Oui, alors, j'ai fait la même voiture que les méchants, mais ils sont complètement débiles, je vais vous buter, bande de sac à merde. Pourquoi? Pourquoi vous m'arrêtez, moi? Mais ça n'avait pas vu. Je vous ai fait... Mais justement, j'ai fait la même couleur qu'eux, pour m'infiltrer parmi eux. Oh, ben non, on pouvait pas savoir, vous nous avez pas prévenu. Oui, c'est vrai, je vous ai senti stressé, hein. Ah ouais, ben... j'ai un cadeau pour vous, capitaine. Oui, moi j'étais à fond. Ah, un cadeau. Attends, enfin, laisse-cul. Et pourquoi... C'est quoi mon cadeau? C'est ça. Ah, merci, c'est très bien. Moi aussi, j'ai un cadeau, capitaine. Moi aussi, j'ai un cadeau. Mon fils. Mais il tenait. Allô, ça peut me permettre? Non, c'est pour tenir. Non, me permettez pas. Alors. Oh oui, allez-y. Mon fils, j'ai un cadeau, capitaine. Mon fils, j'ai un cadeau. Ah mais, distribution donnée. Oui, je donne. Attends. Qu'est-ce que c'est? C'est un dodonat. Oh là, là, ça devient spécial, là. Attends, qu'est-ce que vous faites? Attends, non, pousse pas, viens, regarde. Comme cadeau, merci. Mais putain, dégage-toi. Fous le camp. Mais à quoi tout va bien, merci. Mais casse-toi. Ok. Attends. Oui, merci. Bon, oui. Attendez, regardez, je le prends hop, tout seul. Hop, va, c'est bon. Mais non, te casse pas, mais non, cadet. Cadet, reviens. Cadet. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, tout va bien, sergent, t'inquiète pas. La voiture qu'on a arrêtée, c'est le capitaine, non, t'inquiète pas. Oh là là, il m'a fait stresser. Allez, c'est bon. Attention, la voiture suspecte, les deux voitures là, regarde. Ouais, oui, on les laisse gérer. Mais. Ah, faut bien sûr rentrer. Bonsoir tout le monde, Delphine et Terry. Bonsoir. Mais le pauvre, y'a personne qui dit bonsoir. Ok, on va mettre le carpet de l'intérieur. Retour en bagnole. Oui, on va faire réparer le véhicule. Oh, tu vois, mec. Bah, on va réparer le véhicule. Ah, mais le véhicule qui est parti, hein. Ils sont tous super, je veux tous les arrêter. Oui, ouais. Pas de problème. Ah, quand même faire. Réparer. C'est pour ça que j'y arrivais pas. Attention là, les trucs. Je l'ai pas là. Il y a une voiture disponible, venez me chercher. Attention, les cheveux. Ah, nous on peut pas, on est déjà une opération, les. On va rider. Moi personnellement, d'accord, je vais prendre une fin de service. Déjà. Vous êtes bien, rapide, capitaine. Bon, bonsoir. Mais j'ai pas envie de voir votre sac. Regarde tes cheveux, je peux toucher. Je voulais trouver un nouveau sergent, mais finalement. Merci. Salut atypique. Je peux toucher. Oui. Vous voulez trouver où? Tout. C'est vachement doux. Connard. C'est vachement doux. Arrêtez de raconter vos vies à la radio. C'est quoi? Vous utilisez comme shampoing? Moi, j'utilise de d'œuf. Ah oui, c'est vrai que ça marche bien, oui. Oui. Mais je savais. Si vous voulez, Véronique, je vous prête ma voiture pour ce soir. Oh, je vais pas vous embêter plus longtemps. Oh, c'est gentil, c'est... M'embêtez pas, fait, monsieur. Rendez-vous au poste de police de suite, à l'arrière. Ah, monsieur, ça fait plouc-plouc, là, comme ça. Rien du tout, mais signore. Il regarde de votre magnifique voiture. Oui, ça fait plouc-plouc, j'entends, ça fait plouc-plouc, là. J'espère que tu t'appelles pas Théo, hein. On est tout bon pour la voiture. Tiens, comme de par hasard. Bah, j'ai pas bougé tout à l'heure, hein. Ouais, ça m'étonne pas, ça. Parce que tu cherches des femmes à vendre, hein. Attention, madame, lui c'est un pimp. C'est un macro. Eh
Ah oui. Alors, j'allais partir, mais j'avais juste envie de dire que vous êtes très mignonne avec votre bégaiement. Alors... Je trouve ça très mignon. Oui. C'est voilà, c'est tout. Merci. Merci. Allez. Bien sûr, à deux voitures. Bientôt, toutes les voitures de la ville de Poyos, ils auront du sucre dans le lait qu'elles boivent. Allez. Bonne soirée, madame. Oui, bonne soirée. Des pas de gêner, mais je serais bien. Salut madame l'agent, ça va? Bonsoir, ça va? Dit, on pouvait réparer, on est en pleine intervention, faut qu'on pas parte. Ok, ça marche comme ça, je Merci. Discute en même temps. T'es gentil, c'est désolé. Ouais, on c'est normal, t'inquiète. On aime pas passer devant les gens, mais là c'est un peu pressé. Eh, vous avez toujours votre star? Mais toujours ma quoi? Ma quoi? Le star, celle que vous avez gagnée. Il m'a pas donné mes clés, il m'a pas donné mes clés encore. Mais je l'ai vu, elle est trop belle en gros. Ça voyez comme il est si beau. Oui, ne t'inquiète pas. Oui. Okay. On arrive bientôt, Dan. Alors, mon boy. Ouais. La voiture, elle coûte 64 000. D'accord. Un coup, une démarche pour mon perso, j'étais online sur Xbox. Sérieux? Trop drôle. Non, mais. Coucou, John. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien, ça va bien. Alors, t'es toujours amoureuse? Oui, j'ai pris le dada. J'ai pris mes médicaments, du coup maintenant c'est Jules da. Ah, t'es d'accord. Alors c'est plus June? Alors si, il y a June, mais il y a Jouda. Quand je prends mes médicaments, je redeviens normal. Normal, c'est qui June, c'est June, c'est... Ah. Non, c'est Jouda. T'es d'accord. Bah écoute, Jouda. Non, on y va, on y va. Je te rappelle plus tard. Bisous. On va au poste de police, on va récupérer l'autre cadet. Vu qu'il n'y a personne qui peut prendre. Bah y'a Dan qui est en service. C'est qui ça? Dan, c'est un autre KKD qui arrive avant toi. Si tu vas voir, il est très gentil. Non, si, pas. Si. Il faut t'aimer entre deux KKD, sinon ça va peut pas le faire, hein. Oui. Après je l'aimerais plus. Hein? Après je l'aimerais plus. Non, tu vas les mettre sur lui. Les potins. Oui? On fait un essence de garder au cœur, je parle à la fumée. Bonjour! Ah, d'accord. Tu reviens après ou pour pas? Oui, pour 22h, justement. T'es d'accord. Bah, Dan, tu vas monter. Attends. Quoi? Je pars. Oh. Allez, à tout à l'heure. Allez, monte devant, Dan. Elle est encore sautée comme la dernière fois. Bah, oui. Hop. Hey, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, bah, du coup, j'aurais pas fait long feu avec lui et... Non, il revient tout à l'heure, il est allé fumer là. Oui. À 22h, on doit se retrouver au poste tous de Popolis. Oui. Parce qu'on va faire une descente à l'hôpital, je sais pas pour quelle raison. Mais du coup, ils vont. Une descente à l'hôpital? Je crois, oui. On va aller dans la cave de l'hôpital? Ils ont une cave? Je sais pas si on va descendre dans l'hôpital. Non, on fait une descente. Oui, mais Ça y est, les médecins sont déjà corrompus. Non, je sais pas, moi j'en sais rien. On m'a dit. Oui, oui. On m'a dit. Oui, oui. 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 Attends. C'est quoi? Oui. Alors on va faire chacun notre tour, oui. Et on va voir si ça fait comme les pimpons de police. Oui. 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 Alors ça marche pas des matchs. Non, ça fait pas pareil. Pareil. Non. Oui, on en a essayé. Oui. Oui. Là, on est. Il faut être au aguets. On cherche une voiture noire avec des reflets rouges. Ça tombe bien, il y en a juste des milliers en ville qui sont comme ça. Oui. Et oui. Et si du coup, si on la trouve, il faut l'interpeller. Ah oui, bah oui, oui. Bah, allez, c'est parti pour 100 000 voitures avec des flambées rouges. On va avoir beaucoup de travail, ouais. Et ensuite, donc après 22 heures, on se retrouve tous au poste de police. Oui. Et oui. Et après, je sais pas. Après, ils ont dit on fait la descente. D'accord. Attends, on va remettre de l'essence. Toi, alors, par rapport à hier.
Bah oui, mais maintenant tu fais en babarquette, dis. C'est trop trop bien quand même, on fait pas crasser dessus, c'est bien. C'était bien, on est bien aimé. Hein. De quoi te faire embarquer? Bah non, de te faire le... De faire la formation. C'était une formation de quoi? Ben, formation enquêteur, qu'il a dit. Ah bon, tu veux faire enquêtrice? Bah à la base, non. Vous voulez pas, j'ai rien demandé d'aider, moi. Puis hier, Bucky m'a dit, vas-y, viens, je vais te montrer un peu les coucoulisses. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Et du coup, il m'a fait m'habiller en civil, il m'a fait mettre une plaque et tout. Bah oui, j'ai vu. Et après, on était allé en... Oui. Faut faire ce qu'il te plaît, de toute façon. Ah ouais, non, c'est sûr, mais après... Après, de toute façon, moi j'aime bien sur le terrain, donc c'est compliqué. Mais j'aime bien cliqueter aussi. Mais j'aime bien cliqueter aussi. Roulette de dog sight. Pouf. Aïe. Et là t'as pas touché aussi? Bah non, j'ai pas tout touché. Aïe. Bah non, j'ai pas tout touché. J'ai touché? Ah, j'ai tout touché. Oui. C'est vrai? Un peu des dents. Je te le dis, hein. Ah, je vous jure, moi j'ai pas tout touché, hein. Parce que moi je te jure que tu touches, hein. Monsieur l'agent, je peux témoigner aussi que Madame Tripotin a touché la voiture. J'ai vu qu'elle me disait. Bon, ça témoigne contre moi là, carrément. Ah non, non, moi je suis son cadet, je témoigne avec elle. Non, mais attends, c'est qui a dit ça là? Attendez, sortez tous là, sortez tous du véhicule. Vous l'avez énervé. On se dépêche, on sort tous là. Allez, hop, contre le mur. Hop, contre le mur là. Allez, hop. Le cucu contre mes murs. On te dépêche. Allez, hop. Collègue, moi aussi, le cul contre le mur. Non, toi, tu reviens de ce côté-là. Ah oui, d'accord. Moi, comme Qui c'est? On peut baisser les bras. Voilà, c'est gentil. Oui, merci. Qui c'est qui a dit qu'il voulait... porter... Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Ouais. La pression, hein. Vous avez peur, non? Vous voulez un petit coup de tatazar? Non, ça, hein, ça, non, ça va bien, ça réveille, va bien. Non, je tiens pas la pression, en fait, j'ai du mal à tenir la pression. Ah, pardon. Alors, attendez, on va dépressuriser. Oui, alors, je crois que c'est ce que t'as dans la main qui leur fait l'impression. Pardon. C'est plus l'accumulation de explosage de cul d'une voiture, plus se faire braquer à aller contre le mur. Y'a personne qui explose des culs ici? Qui c'est qui explose des culs? Qui c'est qui explose des culs? Vous avez poké dans la voiture? Personne, chef. Non, moi j'ai rien tout touché, moi. Moi c'est pas vrai. Du coup, c'est une pilote exemplaire. Je vous dis désolé. Elle a rien touché, clin d'œil. J'allais un petit peu vite, c'est vrai. Ah, un petit peu. J'ai pas regardé le compteur. On est d'accord. Donc je suis pas non plus. Oui, quand j'ai tort, j'avoue mes torts, je vous assure. C'est bien. Moi aussi, j'avoue mes torts et je vous dédie, j'ai pas tout touché votre voiture. Mais c'est pas grave, pas de problème, ça arrive. Bon, qu'est-ce que vous faites ce soir alors? On se balade tranquillement. Oui? Vous baladez, vous y allez où? Oh, on est allé un petit peu au niveau de l'aréna, etc. Pour commencer dedans, pour des futures choses, etc. Un petit peu d'idées. Oh, vous allez faire des concours de boxe? Ouais, c'est un ça. Un peu ça. Oh, moi, j'aime bien ça. Et vous m'invitez si vous faites des concours. Avec concours, grand plaisir. Moi, j'aime bien botter des culs, moi. Ah oui, j'allais dire, il faudrait un représentant du LSPD, en fait, dans l'aréna. Donc, si vous avez... Ah ben on est pour alors une chose, dès que vous parlez compétition, elle est toujours au taquet, hein. Oui, mais c'est très compétitive. Moi j'aime bien. Même à Coca-Cola, elle serait là bien sûr de participer. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait aller s'il vous plaît, parce qu'on a. Ah, vous êtes pressé? Ah pardon, allez-y. Oui allez-y, pardon. Barrez-vous. Vous êtes très sympathique. Barrez-vous. Il y a pas de souci. Barrez-vous, cassez-vous. Je veux plus vous voir. Allez, voilà. Hop, on dépêche. Allez, hop, là. Je veux que ça dédémarre, là. Pip. T'as vu, c'est comme ça qu'on fait. Oui, bonne intervention. Ah oui, t'as vu.
C'était rondement mené. Oui, t'as vu, ils savent qui c'est qui dit dans la ville. C'est qui de boss, hein. C'est qui de boss. C'est moi. Eh oui, ouais. C'est toi, chef. Eh ouais, c'est moi le chef. Eh ouais. Oui. Oui, eh ouais. Ça va, t'as passé tes nerfs, là. Ça va mieux. T'as fait du bien, t'as fait du bien. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Même moi, j'ai eu peur, t'as vu, j'ai vu les... avec eux. Moi, j'avais besoin, tu vois, ça me défoule et tout. C'est comme qu'il faut les traiter, hein. T'as dû passer une dure journée, quand même, non? Ah ouais, j'ai travaillé. J'ai toute la journée sur l'ordinateur, donc je peux plus. J'ai les yeux, ils vont pique. Coucou, Meggy, comment ça va? Oui, ça pique. Parce que la lumière. T'as fait sur l'ordinateur toute la journée. Bah, j'ai travaillé sur tous les dossiers en retard que j'avais, hein. Et j'en ai un paquet parce que j'en avais fait aucun. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé plein d'astuces sur un jeu vidéo qui s'appelle Palworld. Tu connais ou pas? Ah bon? Bah, dis donc. Ah oui. Bah, attends, je suis au taquet, hein, je suis rodé. Ah bah, écoute, c'est bien ça. Oui. Moi, t'as pas le temps de jouer aux jeux vidéo. T'as de la chance, moi, t'as pas le temps. Des dossiers, on est par-dessus la tête. Promis. Oui, bah, tout m'est mélangé. Je t'avais laissé un petit mot dans ton casier, mais visiblement, t'avais l'air très occupé. Hein. Ah bon, t'étais désolé. Ah oui, non, mais non, mais il y a des jours, c'est dur. Hein. Des jours, c'est très dur. Faut pas réfléchir. Hein. Si je réponds pas, c'est que c'est pas possible. Sinon, je réponds pas. Hein. Ah, c'est pas grave. Ah. C'est pas grave. Attends, j'ai Pony qui gratte. Attends, c'est pas... Ah! Oui, non! Ah! Mais t'es désolé, ça gratte! Ah! Oh! Ah! Ah! C'est bon! Ça va? Tu vas bien? T'as vu la... Oh! Oh! Petit Didi, c'est quoi ça? Oh, bah, lui, il fait quoi, lui? Une danseuse de... Une danseuse asiatique, là, en plein milieu. Regardez pas la même chose, mais regardez le panneau! Alors, moi, je regardais pas le panneau, Quel panneau tu regardes? Je comprends pas quel panneau tu regardes. Bah, c'est lui où tu dis monsieur, c'est une culotte, non? Ah oui, c'est vrai, bah oui, bah c'est ça, oui, bah c'est ta culotte. Oui, non, bah, pas vrai, c'est pour montrer qu'il est là. Regarde, il y a l'intersection entre les deux. Non, mais il est débile. Eh, monsieur, c'est pas le bon endroit pour faire ça, hein? Oui, monsieur, bah tu dis bien, c'est dans votre chambre, hein, avec votre homme, votre femme, je sais rien. Tu t'amuses avec qui veut, mais bon. Quoi, tu tutes? Surveille l'heure quand même, hein, parce que dans 10 minutes, rendez-vous au poste. Oui, 10 minutes, poste. Poste. Oh là, de poste, d'aide. Touf. Bon, du coup, on a fait plusieurs interventions ce soir. On est allé aussi au gouvernement. On a géré une manifestation qui a dégénéré. Il y a même un monsieur, il a tatapé le gouverneur et tout, hein. Bah oui, il lui a fait comprendre qu'on le voyait pas assez. Oui, et même que moi, le gouverneur, je lui reproposais des questions et je lui redemandais si oui ou non il était. Ah, il conduit vite, non? C'est moi qui. Ça va en vrai, hein? Ça va? Je sais pas, attends, suivons-le sans lui dire qu'on le suit. T'arrêtes au feu? Voilà, arrête au feu, mais ne lui dis pas qu'on le suit, hein? Non, on va rien dire. Oui. Voilà. Bonjour, monsieur! Vas-y. Voilà. Ils sont pas là, du coup c'est bon. Il y a personne de nouveau. Ils arrêtent au milieu de l'intersection. Battez-vous sur le bas-côté, dans conduite dangereuse. Vous allez trop lentement sur l'intersection, monsieur. C'est pas possible. On te dépêche. Allez, sur le côté. Allez, papa. Allez, où? D'habitude, ils vont trop vite, puis là, ils vont trop lentement, merde. Allez, les mains sur le capot! Sur le capot! Oui! Voilà! Non, pas les pieds! Hop. Les mains! Pas les pieds! Aïe! Par contre, on commençait, hein, si vous écoutez bon, pas. Bon, moi j'ai trouvé que la co-conduite, elle était un peu si suspecte. Et j'avais bien raison, cet homme a une banane! Oui! C'est pas moi qui roulais, madame! Oui, mais vous êtes si suspect, hein! Et lui, il a une couette! Quoi? Non, il est plus de cheval à moitié coupé. Combien leur coupe de jeu, hein. Oui, c'est trop bizarre. Moi, je dis c'est bizarre tout ça. Moi, je trouve ça bizarre. Monsieur. Pour conduite suspicieuse. Suspicieuse.
Du coup, vu que voilà. C'est pas moi qui a roulé, du coup, je peux y aller. Alors non, vous restez là. J'ai l'impression qu'il y a une fuite. Est-ce que vous êtes en train de fuiter, monsieur? Est-ce que vous fuitez? Non, pas du tout. Je vais dire à l'arrière. Je reconnais. Attention, si vous fuitez, moi je vous tase. Je ne fuis pas. C'est d'accord, on se remet là où on était. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir? On vient d'arriver. Mettez-vous face à nous, mais les mains sur le capot. Non, face à nous. Bah, vous asseyez sur le capot et vous mettez vos mains sur le capot pour les mettre face à nous. Vous mettez vos mains sur vos fesses. Vos mains sur vos fesses. Ok. Face l'un à l'autre. Voilà, face à face. Ouais. Faites-moi bien tard, Voilà, bon. Alors on va commencer avec l'homme à la banane. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Daryl. Daryl Connor. D'accord, et toi avec la coquette, c'est quoi ton prénom? Arrêtez de les viser, si le capitaine n'y passe, il va encore nous engueuler. Bah non, c'est rien fait. Connor. T'es un coconard, t'as dit? Connor. Connard. Il m'a tenu à traiter de coconard, là. Oui, et il vous a traité de connard. Ouais. Comment ça, tu me traites de coconard? Moi, je suis pas un connard. Moi, déjà, je suis une coconasse. Moi, je suis une coconasse. C'est connasse d'abord. Oui. C'est une femme, c'est pas un homme. Oui, elle a le caractère d'un homme. Oui, mais c'est une femme. Oui. Non, mais Didi. Dites pardon, vite, dépêchez-vous. Pardon, madame. Voilà, on est d'accord. Bon, vous allez faire quoi là ce soir? Vous allez faire un peu la fête et tout là? Vous allez voir des femmes, hein? Vous allez voir des femmes, hein? Hein? Oui. Vous comment allez ça, oui? Comme ça, tu vas aller voir des pupettes? Tu vas aller voir des pupettes? Mais quoi? Tu vas aller voir des pupettes? Des putes. Pour mon frère, oui, je vais voir des pupettes pour mon frère. Oui, vous allez où là? Bah, voir des pupettes. Mais où? Bah, où il y en a, monsieur? Moi, je sais pas, je viens d'arriver en ville avec mon frère. Ça participe à la... Ça vaut un crime, là. Je cherche un travail. Il va faire pute, hein. Tu sens? Ça gagne bien. Oui, non, ça, faut les laisser faire comme ils veulent. Par contre, on peut les faire chanter... Tu sais quelle chanson de tout à l'heure, Non, je crois que ça, elle aime pas, Sergent Lardon. Elle dit que c'est... Ah mince, d'accord. Oui, non, mais c'était pas l'humiliation, c'est une belle chanson. Bon, on va vous laisser tranquille pour ce soir, hein. Mais on vous a à l'œil, banane et coquette. D'accord, madame. Attention à vous, hein. Vous pouvez nous chanter une chanson, on voudrait vérifier une chose. N'importe où, oui. Ah oui, oui, vas-y, chante. Ah, il chante. Attends, j'ai... Oui, mais je sais pas chanter, moi. Bah si, une chanson, peu importe. Pourquoi il appuie sur un bip bip là? Il me fait peur là. C'est quoi le bip bip? Il a une bombe! Non. Je crois qu'il essaie de supprimer mentalement ses mauvaises pensées. D'accord. Il essaie vraiment de supprimer ses mauvaises pensées. C'est con, toi, Gary. Là, je peux rien faire pour votre frère. Hein, moi, t'écris qu'il avait une bombe. Hein. Moi, la prochaine fois, c'est fou! Bon! Bah écoutez, tranquillement, on a rendez-vous, allez hop, on y va. Du travail et arrêtez de nous arrêter en plein milieu d'un carrefour, monsieur. Ouais, faites attention, Vous laissez un travail qui peut rapporter bien, monsieur l'agent. Il y en a plein des travails qui rapportent bien en ville, vous savez. Oui, non, on doit y aller, nous. On n'est pas au site du tourisme. Allez hop, on y va. Il y a des bars qui sont à reprendre, si jamais. Bon, écoutez, je vous en prie. Bonne soirée. En ce moment, c'est compliqué, mais à voir. Alors. Je t'en fous en fait. Je l'ai à peu peine touché, à peu peine. À peine, oui, elle a juste toute seule. Contrôle de police sur le bas côté, s'il vous plaît. Allez hop hop hop, sur le bas côté. Non, ça ne t'arrête pas. Dis-donc, on s'arrête. Arrête pas. Et on s'arrête. Allez hop hop hop, sur le bas côté. Voilà. Vous sortez du véhicule, main sur le capot, monsieur dame. Toujours derrière le véhicule, le conducteur est sorti du véhicule. Les mains c'est sur le capot. Oui, fais une marche arrière, on t'emballe. Allez hop hop hop, on sort du véhicule. Première avertissement, sortez du véhicule. Deuxième avertissement, sortez du véhicule. Ok, il fait quoi?
Ah, vous sortez. Troisième avertissement, sortez du véhicule, sinon j'appelle les renforts. C'est qui les renforts? Madre de Dios, mais qui est-ce? Oui. Et là, je vais te mettre mon plex sur la tempe. Tu vas faire quoi maintenant? Wow, on se calme, hein. Alors, c'est qui va se passer? Non, tut. C'est bon. C'est bon, tripotin. Vous calmez. C'est un contrôle. Ah, tripotin, je crois que là, y a pas trop le choix. Comme dans la voiture. Moi, j'ai pas donné d'ordre de tirer dessus, monsieur. J'ai pas donné d'ordre de tirer, hein. Ah oui, c'est vous qui étiez au braquage hier. Effectivement, je vous connais maintenant. Mais moi, j'ai pas donné d'ordre. Je vous parlais, rappelez-vous. Nous sommes les braquages de braqués. Non, des... Oui, tout à fait. Oui, d'accord, On dépose quelqu'un, rendez-vous et on arrive. Moi, je vous entends pas. Pour rien faire, vous entendez pas. Et là, tu m'entends, là, c'est bon, là? Oui, tu t'entends. On aurait bien accepté le contrôle, mais on se balade avec 300 pochons de cocaïne dans le coffre. Baisse ton flingue. On n'allait même pas vous fouiller, bande de cons. Baisse ton flingue. Vous allez le faire, je sais que vous allez le faire parce que vous... Baisse ton flingue. On n'est pas pour te faire chier, on est là pour contrôler ta vitesse. Chef, à mon avis, n'énervez pas trop, là, il y a quelque chose qui me regarde droit dans les yeux et il va risquer de me faire un troisième œil, j'ai pas envie. Mais non, il va pas te tuer, mais baisse ton flingue, on peut discuter si civilement. Je vous écoute, là. Moi, je peux parler avec quelqu'un qui a un flingue braqué sur mon co-collègue, je peux pas parler avec un mec qui braque mon co-collègue. Il s'appelle co-collègue, ça, c'est quoi? Je m'appelle Jean Torisso. C'est pas grave, dans ce moment-là. Non, par contre, le pantalon, ça vous fait un joli petit cul. Et toi, Tika? Ah, merci, c'est gentil, j'entretiens mon fou. Mais je peux pas parler comme j'ai un fringue braqué sur mon collègue. Vraiment, je peux pas. Déjà, tu vas commencer par le cracher tes mots, on va les mettre dans l'ordre, ok? Je les mets dans l'ordre. Déjà, je les mets dans l'ordre. Tu baisses ton flingue. Je comprends rien. Tu te balades toute la zone avec elle, toi? Oui, c'est la meilleure instructrice que j'ai vue à la police. J'espère que c'est pas elle qui parle. Vous savez ce qu'on va faire, ok? Je vais reculer, je vais ranger mon arme et je vais revenir comme si je vous avais jamais braqué, ok? Faites votre petit contrôle, chef. Et puis après, on discute et puis comme si ça ne s'est jamais passé, par contre, vous pouvez pas le faire. Je sais pas quoi faire. Il faut que vous répondiez, chef, s'il vous plaît. Je sais pas! Tu recules, tu te casses. On va faire comme si de rien n'était, je vais faire comme si de rien n'était, tu te casses. Et ok, très bien, si le chef l'a dit, on va se voilà. Casser. Et attention. Cut. C'est bon, là. Allez, dans la boîte. Remontez dans la coche, remontez. Non, papa. Oui. Vas-y, tu peux ouvrir une porte, hijo de puta, de merde. Mais je peux pas, non, il faut que j'attende que toi... Remettez-vous au volant, de toute façon, je vois que vous me braquez avec le flingue, je vais pas bouger, hein, je vous rassure. Même moi, c'est fermé. Oui, la centrale, c'est la mienne. Voilà. On est coincé ici maintenant, c'est une impasse mexicaine, qu'est-ce qu'on fait? Papa, attends, moi je monte dans la voiture et nous on se cacasse. Oui, très bien, voilà. Allez, papa. On part. Cadet, tu montes. On part, oui, je monte. Est-ce que je peux monter, monsieur? Et tu vis en garde, si, bien sûr, allez-y, montez, c'est toi. Je monte, regardez, calmement, j'ai toujours les mains en l'air. Oui, c'est très beau. Oui. Note la plaque. Je vois rien. Hein. EKI 847. Allez. Essayez de monter. Oh putain de bordel de merde. Deuxième fois, je me fais prendre en otage dans une semaine. Aïe. T'étais pas prendre en otage, tu t'es fait braquer. Par contre, qu'on en parle au. En supérieur. Oui. Oh putain, j'ai eu peur en tête de merde. Tu m'étonnes. Oh, putain de bordel de merde. J'ai senti la... Et je crois qu'il avait servi l'arme, hein. J'ai senti la poudre. Oui. Tu arrives au commissariat. T'as noté la plaque? Et qui 847? Non. Bah, j'ai rien de quoi écrire. T'as pas un bloc-notes de EKI 847?